Les contes du soir. Nouvelle lune d'automne, la première, celle d'un mois de septembre, où l'atmosphère dort, claire et lumineuse, celle d'un mois où, quand elle disparaît, le soleil ardent rougit sur les houblons. Pour cet épisode, je vous propose de vous réchauffer sous les tropiques de Mars, là où se posa Viking, la première sonde à fouler l'astre rouge, un beau jour d'été 1976. Je m'appelle Viking. Il paraît que les Vikings étaient des humains venus du nord de l'Europe, des conquérants auxquels rien ni personne ne résistait. Comme eux, je suis un conquérant. Comme eux, je suis presque invincible, mais je ne suis pas un humain. Moi, Viking, je suis une machine. Si j'étais doté de sentiments, je pourrais dire que j'en suis fier. Je suis très précisément une sonde spatiale. J'ai été conçue et construite à Denver, dans le Colorado, dans les années 70, c'est-à-dire juste après le début de la conquête de la Lune. Mes sœurs aînées s'appelaient Mariner. Elles étaient beaucoup moins perfectionnées que moi, certaines ont survolé plusieurs planètes du système solaire, mais aucune ne s'est posée en douceur sur un sol étranger, car tel est mon objectif. Mars. Rien d'étonnant qu'on m'ait baptisé du nom farouche de Viking, puisque je dois aborder la planète du dieu de la guerre. De loin, on pourrait me confondre avec un insecte géant, un insecte de métal qui pèserait 2900 kg et qui serait doté de mécanismes quasi intelligents. Car Mars est trop loin et un milieu trop hostile pour qu'on envisage d'y envoyer des hommes. J'y serais donc la première à y atterrir, pour y glaner sur place des milliers d'informations. Notamment pour répondre enfin à la question « Y a-t-il de la vie sur Mars ?» Je décolle le 20 août 1975. On m'a protégé et fixé au sommet d'une immense fusée. Je ne suis guère sensible à la chaleur ni aux trépidations du départ, et encore moins à la terrible sensation d'écrasement que doivent supporter les fragiles cosmonautes. Lorsque le troisième étage de la fusée porteuse m'éjecte vers mon objectif, je dépasse les 11 km/s. Désormais, je n'ai plus qu'à attendre en voyageant avec ma vitesse acquise. Je traverse le cosmos, obscur et hostile. Le voyage dure 10 mois. Qu'importe, pour moi, le temps ne compte pas. Oh, je ne suis pas la première sonde interplanétaire. Il y a quelques années, les Soviétiques ont envoyé sur la planète Vénus plusieurs sondes appelées Venera. Elles se sont posées sur l'étoile du berger et ont transmis à la Terre les images d'une fournaise, un véritable enfer où règne une température de 480 degrés. Bien sûr, les Venera n'ont décelé aucune trace de vie. Alors, les Américains ont tourné leur regard vers la seule autre planète du système solaire qui paraissait habitable, Mars. Mars a toujours fait rêver les astronomes. 100 ans auparavant, l'Italien Schiaparelli avait cru y détecter des canaux. Son collègue, Lowell, avait même soutenu que des Martiens existaient. Depuis longtemps, on sait que Mars possède une petite atmosphère, des saisons, des pôles recouverts d'une fine couche de glace. On y observe même, à la surface, des volcans gigantesques, des vents violents et d'étranges changements de couleur. Sont-ils dus à des plantes, aux mouvements de nuages ou à de simples échanges chimiques? Mars abrite-t-elle, ou a-t-elle autrefois habité, une quelconque forme de vie? Ces questions, désormais, c'est à moi d'y répondre. Le 17 juin 1976, je parviens à 5060 000 km de Mars. Aussitôt, je photographie la planète rouge et je transmets les images à la Terre. Puis, ma trajectoire s'incurve, la planète m'attire dans son orbite, comme prévu. J'en fais le tour 10, 20, 100 fois, le temps de photographier sa surface et surtout de laisser mes ordinateurs calculer avec soin les paramètres de mon futur atterrissage. Car, en bonne machine intelligente, je dispose de ce qu'on appelle un automatisme de comportement. Le 20 juillet, je juge que toutes les conditions sont réunies. Atterrir en douceur sur Mars est une opération complexe et délicate.
Sur Terre, la densité de l'atmosphère freine naturellement une capsule qui, pour se poser, n'utilise que des parachutes. Sur la Lune, seules les rétrofusées sont nécessaires. Ici, je dois combiner ces deux méthodes. À 30 km du sol, l'atmosphère martienne ralentit ma course jusqu'à 400 mètres secondes. Un explosif fait alors jaillir un immense parachute qui freine ma descente, mais pas suffisamment, alors des rétrofusées prennent le relais. Ma chute ne dure que 9 minutes. Ici, nul ordre ou contre-ordre ne peut plus me parvenir de la Terre. J'en suis éloigné de 341 millions de kilomètres et toute communication radio entre elle et moi nécessite 20 minutes. Il est très précisément 11h53 lorsque je me pose au milieu d'un désert de cailloux. Ce lieu, je le sais, s'appelle Crise Planitia. Aussitôt parvenu au sol, j'envoie le mot de code « Enablet » qui signifie « atterrissage réussi ». Je mets aussitôt en marche l'une de mes caméras. Elle photographie le sol et effectue un plan panoramique de 300 degrés. Quand les clichés parviendront à la Terre, je sais que les hommes seront déçus. Ici, le terrain est presque plat. J'observe un relief chaotique. Aussi loin que porte l'objectif de ma caméra, ni arbre, ni buisson, ni un seul brin d'herbe. J'atterris dans un champ de pierre. Le sol est rouge, avec parfois des teintes très légèrement orangées qui rappellent la couleur des roses T terriennes. Quant au ciel, il est rose et brillant, 100 fois plus clair que ce que croyaient les scientifiques. Ce doit être un effet des poussières en suspension que le vent martien transporte. D'ailleurs, ici et là, je distingue de petites dunes qui se construisent et se déforment à vue d'œil. Il est temps de mettre en fonction mon sismomètre et ma station météo. Tiens, la température est de moins 34 degrés. C'est pourtant le début de l'été martien. Le temps passe. Mes caméras ne détectent aucun signe de vie, mais je sais qu'il ne faut pas s'y fier. Un engin extraterrestre automatique atterrissant au milieu de notre Sahara aurait la même illusion. Mais il posséderait sûrement, comme moi, plusieurs dispositifs destinés à détecter des micro-organismes, car sous le sable du Sahara, que d'insectes, d'amicalcules ou même de bactéries invisibles à l'œil nu. Avant d'utiliser mes trois détecteurs de vie, je mets d'abord en fonction mon XRFS, un identificateur d'éléments qui charge en rayon X l'atmosphère et le sol sur lequel je suis posé. Grâce à lui, mon ordinateur identifie les constituants de la planète. 5% d'oxygène, 25% de silicium, puis du fer, du magnésium, du calcium, du soufre, de l'aluminium. En fait, rien d'exceptionnel. Le 20 août, je renouvelle l'opération. Les résultats sont identiques. Mars est donc constitué des mêmes éléments que la Terre et à peu près dans les mêmes proportions. Voilà qui devrait confirmer que la vie y existe. Alors, je fais surgir une pelle de mes entrailles. Le terme de pelle est impropre. C'est en même temps une pioche, une cuillère, un tamis, une brosse et un aimant. Elle fouille le sol, puis, une fois remplie, pénètre dans une cavité éclairée avec une lampe xénon qui stimule le rayonnement solaire. Je laisse passer 5 jours. Après quoi, je transporte mes échantillons dans un four chauffé à 700 degrés. Je renouvelle l'expérience en laissant la lampe éteinte, puis j'analyse et je compare les deux résultats pour déceler une éventuelle assimilation de carbone. Oh, je sais, tout cela paraît bien compliqué. Disons pour simplifier que je cherche ainsi à savoir si le développement de la vie est possible. Surprise, mes échantillons libèrent 15 fois plus d'oxygène que le sol terrien. Mais cela n'indique en rien la présence de vie. Au contraire. Qu'importe, je possède un second détecteur. J'effectue de nouveaux prélèvements que je mets en présence de milieux nutritifs et j'attends qu'apparaisse du dioxyde de carbone. Mais rien ne se produit. Alors, je procède à la troisième expérience appelée gas exchange. Elle se révèle vite négative, elle aussi. Mes conclusions sont formelles. Non seulement la chimie martienne n'a pas débouché sur la vie, mais elle s'est engagée dans une voie qui risque à tout jamais de l'interdire. Cette nouvelle
qui décevra beaucoup les humains, me laisse une impression de victoire. Si j'étais dotée de sentiments, je serais satisfaite et même joyeuse. Désormais, moi, Viking, je suis la seule maîtresse des lieux. Le 3 septembre, je détecte soudain un signal radio tout proche. Me serais-je trompé? Y aurait-il ici des martiens? Non. Les ondes qui me parviennent sont tout à fait semblables aux miennes. C'est ma sœur jumelle, Viking 2, qui vient d'atterrir sur Mars à son tour. Elle s'est posée en douceur dans Utopia Planifia, au confluent de deux vallées de lave, près du lit d'un ancien fleuve tari. Et oui, méfiants comme le sont les scientifiques, ils ont fait parvenir sur Mars une nouvelle sonde à un endroit différent. Bien entendu, ces analyses confirment les miennes en tout point. À présent, les années peuvent couler, je ne redoute plus guère l'arrivée d'éventuels terriens. Mars leur sera toujours hostile. J'occupe bel et bien le terrain. Au-dessus de moi, des nuages courent à des vitesses fantastiques, des dunes de sable remodèlent le sol sans cesse, souvent j'assiste à des tempêtes spectaculaires. Parfois, mon sismomètre détecte de formidables mouvements telluriques. N'est-ce pas ici, sur Mars, que se dresse le plus grand volcan en activité de tout le système solaire, le fameux Olympus Mons, qui culmine à près de 26 000 km. Je ne redoute aucune panne, tous mes équipements vitaux ont été doublés, autrement dit, chacun de mes organes dispose d'une vie de secours. Quel humain peut en dire autant? De plus, en cas d'imprévu, je suis capable de modifier moi-même mon programme. Non seulement mes créateurs m'ont doté d'une quasi-immortalité, mais ils m'ont rendu indépendante. Les hommes, paraît-il, préparent une expédition habitée qui atterrirait sur Mars autour de l'an 2020. Ils se sont bien trompés, a priori, ça serait pour plus tard. Si j'étais doté de sentiments, en tout cas, ce projet me ferait sourire. Pauvres humains condamnés à respirer, à boire, à se nourrir et à cohabiter pendant les 10 mois que dure le voyage aller. Pauvres humains contraints de survivre, de reproduire dès leur arrivée un microcosme identique à celui de leur planète natale. Pauvres humains destinés à mourir ici au bout de quelques dizaines d'années, ou soucieux de repartir pour s'éteindre sur le monde où ils sont nés. Moi, Viking, je le sais, ce monde ne sera jamais peuplé que de machines. Oui, pour longtemps, pour très longtemps encore, la planète Mars m'appartient. C'est moi, Viking. Le vrai, le seul, l'authentique martien. Les hommes marcheront-ils un jour sur Mars? La question est ouverte, on peut se plaire à le croire. Prochain compte le 9 octobre 2022, pour une pleine lune d'automne, il s'agira du dernier épisode consacré au conte de l'espace. Nous découvrirons l'histoire des sondes Voyager aux confins de notre système solaire. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à commenter sur les réseaux sociaux, à donner 5 belles étoiles sur iTunes. Les Contes du Soir est un podcast à histoire. Il investit, avec vous, le monde de l'imaginaire.